Voilà, donc on se retrouve comme prévu sur la première version, donc la Focus RS MK2 de base. On va se mettre le son, hop. On se rapproche un peu et on est parti. Celle-ci, boîte en H. On va se faire un petit tour de ce circuit et on va comparer un peu tout ça. C'est pépère, hein, c'est tranquille. C'est de la promenade du dimanche au bord de mer. Voilà le frein. Alors j'ai pris ce circuit là honnêtement pour changer un peu. Toujours les mêmes circuits, celui-ci je l'ai trouvé, je sais plus sur quelle page, de toute façon je vous mettrai les liens dans la description. Alors on s'en fout pas trop la chercher non plus. Assez saine à conduire. Se passe tout seul, pas trop de problèmes. Comme j'ai dit, c'est la version de série, la plus simple, la moins puissante. Ouh là, je me fais peur. Ah oui, ah oui. La version course, c'est pas un modèle vraiment équipé de tout ce qu'il faut. De toute façon, on le sent, que ce soit au niveau du freinage, du grip et de tout le reste. Après, il se passe bien, il n'y a pas de souci. Celui-là, faut se méfier. Prendre large. Ça roule pas évident à passer, mais bon. Alors, je pense pas qu'il faut tenter le frein à main. Il semble que j'ai déjà essayé et je vous le conseille pas. Après, comme souvent dans mes tests, là j'ai laissé en stock. Voilà. Première terminée, on passe à la suivante. Alors là, on va démarrer tout de suite. Déjà au niveau du bruit, on sent. C'est déjà un peu plus rageur, on sent que déjà il y a de quoi s'amuser, donc on est toujours en H. Ouais, le son c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je sais pas si c'est le retour de la valve.
soit pour le turbo, hein, même la décélération, on entend que ça. Oh, faut se méfier quand même. Alors, il y a le bruit, le moteur qui est gonflé, par contre au niveau châssis. Pas tout à fait ça. Je pense que le moteur a bien gonflé, le châssis n'a pas trop suivi. On était à 200 tout à l'heure en bonne ligne droite. Là, on est déjà à 180. 220. Alors, on va faire les 230. Ça pousse quand même là. Pareil, toujours agréable à conduire. Je peux même pousser la 6 ici. Alors là, je l'ai récupéré, je sais pas comment. Une bonne petite glissade, un dérobage ultra arrière. C'est joueur, mais il faut se méfier. Ouais, ça glisse. Le petit chicken. Vraiment difficile celui-là à apprendre, à appréhender. Et voilà, on termine pour le tour. Donc on voit clairement l'évolution. J'ai l'impression que le châssis a un peu plus de mal à suivre la puissance moteur. Allez, on passe à la suivante. Allez, au niveau du son. Au niveau de la préparation, c'est déjà différent. Le châssis, tout ça, c'est. Enfin, le châssis, le tableau de bord, ça a changé. Et là, on est aux palettes. Ça tourne mieux. Direction est plus souple. Ah, ça tourne mieux, hein. Ça y a pas à dire. Plus de grip, ça dérape moins du cul. Mais tu peux te faire piéger quand même, forcément avec ce type d'engin. T'as envie d'attaquer. Le bruit
complètement différent. Je vais pas dire moins rageur, mais un peu plus aseptisé, on dirait. Enfin, je sais pas. Pas comment le dire. Tout cas, ça accroche mieux. Vitesse de pointe, 210. Ah, il n'y a pas là. De toute façon, on a fait un travail, elle a été allégée, le moteur est boosté. Forcément, c'est mieux. J'aimerais tellement le prendre au frein à main celui-là. Pas du tout là. Ah oui, il avait vraiment de quoi attaquer avec celle-là. C'est là où je dis ça, je vais me faire surprendre. Non, même là, elle part pas. C'est collé à la route. On va quand même se méfier, mais. Coup de frein quand même pour éviter d'aller trop loin. Voilà, attention à mon avis. J'ai le même souci. Ah, elle braque mieux. Bon, je rappelle, toujours en stock, mais elle tourne mieux. C'est un autre monde. Hein. Allez, on passe à la quatrième version. Allez, après la version junior, on passe à la version Super Cup. Déjà là, on voit que on est position à gauche, limite centrale même. Voilà, bon. Voilà, là, ça va être. Ah ouais, je suis déjà à 230. Costume de malade. Oh oh oh. Ravi. Faut pas trop les chercher. C'est peut-être pas fait pour les. Circuit sinueux. Oh là là là. Alors elle tient quand même, mais tu sens qu'à une chose, c'est envie de partir, envie de décoller. Impressionnant. Tu sens le bruit demande que ça. Allez, oh, 2,40, 2,50. Allez, on pousse. La ligne droite est pas assez grande pour exploiter toute la puissance. J'aurais pu freiner un peu plus tard. Ouh, vous voyez? Ah oui, c'est. C'est vicieux. Énormément de couple. Forcément. Ça pardonne rien. Et je me suis fait avoir. Je suis déjà en 6ème. Le gars, il voulait passer de vitesse et il est déjà au max.
Ah, pareil, il y a plaqué au sol. Faut juste se méfier du couple. Enfin, les premiers, pas de soucis. L'adhérence, aucun problème. Deuxième fois. Deuxième fois que tu te fais voir. T'as bien envie de refaire un deuxième tour. Mais non, il en reste deux. On va regarder la suite. Allez, on revient sur la version Time Attack, donc une version encore boostée. Et là, on revient sur la boîte en hache. Pas du tout le même son. Ça a l'air moins rageur, mais ça a l'air plus linéaire, mais en tout cas ça pousse. Courbe là, t'as envie de. T'as envie d'y aller, hein. T'as envie d'appuyer. Allez. De 20, de 30. J'ai même pas vu à combien j'étais. Occupé à pas louper mon point de freinage. Ah, le moteur, je sens, on dirait que c'est un peu plus timide que la précédente, mais ça donne quand même. Un peu moins de couple, donc on peut y aller un peu plus à la sortie. De 80. Oh, c'est safe, hein. Ça se passe seul, hein. Tout seul, tout seul. Le direction est plus dur. Beaucoup plus dur, je dirais, limite. Ouf, on la sent mieux. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de double sens dans ma phrase, ne vous inquiétez pas pour les petits malins. C'est sympa aussi ça. En plus, ça allie performance et boîte en hache. C'est quelque chose que moi j'aime bien, j'apprécie. Allez, dernière version. Allez, on est sur la dernière version, dernière évolution. On est sur le mode de Time Attack Evolution. Donc on va dire le plus radical. Donc on retrouve la boîte. Transmission palette. Voilà, c'est le châssis très rigide, suspension aussi, on sent. Ça tape pas mal. Là, je suis déjà en 6ème.
Voilà, ça bouge un peu du cul. Alors, quelle vitesse de pointe là? De 70, de 80. C'est pas la voiture qui a la direction la plus précise. En tout cas en termes de perf, on peut pas dire. Ah, il y a cette vitesse, 310. J'ai dépassé les 300. Et à cette vitesse. Quand on peut la bordure, ça, sinon là tu décolles. Allez, dernière partie, et on en finit avec le test de ce mode. Ouais, forcément très rigide, difficile à prendre, comme je l'imaginais. C'est pas la petite route sinueuse qui intéresse ce type de voiture. Ouf. Voilà, voilà. Allez, on a terminé avec les tests des différentes versions. On va voir tout de suite ce que j'en pense. Voilà, donc on se retrouve pour une petite conclusion de ce mode Ford Focus MK2. Alors en fait, ce que j'en pense, bah en fait, c'est que du bon. Le prix, bah en fait, il est gratuit. Je pense qu'il y a un système de donation, de toute façon, je répète, vous retrouvez tous les liens dans la description. Mis à part ça, le circuit, je vous mets également le lien, il est fun, ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. C'est un circuit, on va dire, urbain, qui fait une boucle, donc il est également intéressant. Puis j'ai pris ça parce qu'à la base, le mode démarre en fait sur un véhicule de série. Donc voilà. Alors je reviens sur le mode Ford Focus. Il y a de la boîte en H, il y a de la 6, de la 7 vitesses, des châssis différents, le moteur différent, la puissance. Enfin bref, c'est vraiment que du bonheur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette voiture, c'est vraiment, je trouve, intéressant. Il y aurait moyen de bien s'amuser sur un open ou quelque chose comme ça. Voilà, que dire de plus? Vous avez eu la vidéo de présentation, vous avez eu mes ressentis. Je vous laisse le télécharger, me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye!